m'appelle Vincent. Je fais de la sculpture et plus récemment de la peinture. Donc, pendant plusieurs années, j'ai créé des moules de Bouddha. Je faisais beaucoup de moulage et un jour, je me suis ennuyé avec ça. J'ai jeté les 40 moules de Bouddha et je me suis lancé dans la sculpture. Voilà, sans aucune formation, et j'ai créé des formes qui me convenaient. Beaucoup de visages, des bustes ou des personnages. Donc je travaille le grès à la plaque, comme je suis en train de faire ici. Sculpture, j'en fais depuis 3 ans, depuis le Covid. Et avant, j'ai été industriel, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie différentes. Un jour, j'ai retrouvé un ami sur Internet. Je suis allé chez lui, il était potier. J'ai mis les mains dans la terre et ça a été une révélation. J'ai eu des sensations très fortes. Sur le chemin du retour, j'ai acheté un tour et la semaine d'après, un four. Voilà, ça, tout bêtement, il y a eu vraiment une osmose avec la terre. Je fais des pièces qui vont entre 50 cm et 1,38 m. Ce sont des visages, des bustes ou des personnages entiers. Une des particularités de mon travail, quand ce sont uniquement des têtes, elles sont à double visage. Pourquoi double visage? Je n'arrivais pas à maîtriser les nuques. Et un jour, en travaillant une tête, un deuxième visage est apparu. Et donc depuis, c'est ma signature. Quand je fais des têtes, elles sont à 2 ou 3 visages. L'évolution, ben, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, j'ai commencé par faire créer des moules. Donc c'était avec de la barbotine et maintenant je prends de la terre, je fais des plaques et ce sont mes mains et la terre qui décident de ce que va devenir une pièce. Là on a l'exemple typique, j'étais parti pour faire 2 corps entrelacés et d'un seul coup la pièce s'est défaite, j'ai écouté ce que disait la terre et voilà le résultat, j'ai un corps qui apparaît tout à fait différemment. Voilà, le secret de mon art, c'est d'écouter ce que dit la terre. Avant de faire de la sculpture, j'avais un centre de bien-être, je faisais des massages. Et quand j'ai mis les mains dans la terre la première fois, j'ai eu cette sensation très proche du massage. Et je me suis dit, voilà un nom d'artiste qui collerait bien avec ce que je suis. Je masse la terre et la terre me le rend. Moi, ce qui est important, c'est que quand je crée une pièce, elle me parle. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord. Comme pour mes peintures. Je ne sais jamais quand je commence une pièce ce que ça va être. C'est vraiment au fur et à mesure que je crée la pièce que je vois ce qui apparaît. Je suis vraiment à l'écoute de ce que la terre veut bien faire. Et c'est pareil pour la peinture. On retrouve tous les gens qui ont vu mes peintures depuis me disent « c'est tes sculptures en peinture ». Je dirais que c'est toujours les dernières pièces que je crée qui m'inspirent le plus. Là, cette histoire de déchiqueter de corps me donne envie d'en faire beaucoup d'autres. Juste avant, il y a 15 jours, j'ai commencé ce travail sur des doubles sculptures, doubles personnages. Voilà, je marche vraiment à l'instant du moment.
Donc je travaille essentiellement le grès plus ou moins chamotté. Après, mes pièces sont soit brutes, soit émaillées, soit patinées. J'ai un laminoir sur lequel je fais des plaques de 4 à 5 mm d'épaisseur et des plaques qui font quasiment 21-29,7. Je prends ces plaques, je les associe les unes après les autres, pas trop vite pour qu'elles aient le temps de sécher. L'objectif, prendre mon pied en sculptant et en peignant. Et puis bon, j'ai créé cette galerie pour mettre en valeur tout mon travail. Ça a été un gros travail de remise en état de ce magnifique lieu qui met en valeur mes pièces. Est impossible, qu'il faut écouter ce qu'on fait et non pas être fixé sur l'idée de réaliser quelque chose. Il faut laisser les mains travailler et l'esprit divaguer. J'avoue que souvent c'est un petit peu de difficulté à me mettre au travail, mais quand j'y suis, je ne vois plus passer l'heure. Il m'est arrivé un jour de travailler 12 heures de rang sans m'apercevoir que le repas de midi était passé, 4 heures et compagnie. J'étais vraiment absorbé par mon travail. L'œuvre favorite, c'est toujours la dernière que je crée.